Eh bien bonjour les amis, c'est le testeur du dimanche. Eh bien écoutez, on se retrouve pour notre premier test sur la Neo Geo, voilà, la console d'arcade, l'arcade à la maison, pour un titre, hop là je baisse très légèrement, pour un titre qui s'appelle Windjammer, voilà, un jeu de... on va dire que c'est un peu le jeu de combat et le jeu de sport avec un frisbee, sorti, bien écoutez, le 17 février 1994, sur arcade, et puis sur la console de salon, la console extrême, et bien le 8 avril 1994, et il y a eu aussi une version Neo Geo CD le 20 janvier 1995. J'ai su aussi qu'il y avait un portage qui va être effectué sur PS4 et PlayStation Vita, voilà, avec un mode multijoueur en ligne. Alors est-ce que c'est en cours, est-ce que c'est en train de se faire, je ne sais, je n'en sais pas plus pour le moment. Mais en attendant, bien écoutez, on va tester la version arcade de ce jeu Windjammer, voilà, un jeu que j'ai pu retrouver au mois d'octobre 2016 à la Paris Games Week. Voilà, hop là, je mets du crédit, voilà, avec le bouton Select. Voilà, je mets 14-15, on y va, là, c'est gratuit. On nous explique que, très rapidement, hein, les commandes. Alors ouais, on voit parfaitement que c'est la version, soit la version arcade, soit la version, de salon, hein, la console de salon. Allez, c'est parti. Alors, vous avez 6 personnages, et du plus rapide au moins rapide, mais quand ils sont moins rapides, ils sont forcément plus puissants. Hop là, bon bah apparemment l'ordinateur a choisi pour moi. Donc c'est le premier personnage, hein, c'est la japonaise. Allez, c'est parti. On met un petit peu de son. Et vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre. On est entre le tennis, le volleyball, enfin bref, on est... C'est... Il faut être très rapide et à la fois puissant. Ah voilà, ça... Alors, ils ont... Ouais, bah foutu 3 points, ça commence mal. Vous êtes bien sûr timé. Yes, super. On a égalisé. Allez, c'est parti. Vous pouvez faire des effets. Ah, punaise. Alors voilà, le problème qui se pose, c'est que... Avec un personnage rapide, eh ben, vous avez tendance à louper. Allez. Oh, punaise. Ah, j'étais en pleine concentration. Allez, on va se rattraper pour le deuxième set. Ah, on va pas l'avoir. Oula, attention, il peut y avoir une puissance. C'est bien ça. Putain, loupé. Yes, 3 points. Allez, faut pas qu'elle égalise. C'est bon, un set chacun. On a toutes nos chances. Ah, c'est un jeu qui est très prenant, hein, je peux vous dire que très facile à prendre en main, mais alors après, je vous raconte pas l'état de vos pouces. Ah merde, loupé. Yes, c'est bon, on a égalisé. Ah putain. Oula, on a eu du bol. Putain, j'arrive pas à lui faire des effets. Elle me fait des effets. Super, sudden death, mort subite. Oh putain. Ah bah d'accord. Oh la vache, j'ai perdu. Ah, ça va très très vite, hein. Alors c'était pas mon personnage à l'origine. Moi c'est J. Costa, voilà, l'espagnol. Parce qu'il est aussi rapide que puissant. Et donc voilà, il a une bonne maîtrise. On va continuer avec lui. Alors on touche à rien, hein, c'est l'ordinateur qui gère. C'est l'arcade qui gère. Là où vous allez concourir, tout simplement. Allez, c'est parti. Vous avez vu, hein, 3 points sur les côtés, 5 points au milieu. Ça commence mal. Dommage. Oh putain. Yes, super. On a égalisé. On a fait un beau contre. Oh putain, ah, l'erreur de débutant. Eh ben non. Ah, ça se joue à deux coups, hein, parfois. Allez, il faut impérativement égaliser. En tout cas, gagner ce set, je veux dire. Oula.
Voilà à quoi sert la puissance. Super, on a une belle avance. Alors c'est le jeu idéal, hein, c'est bientôt l'été. C'est bientôt l'été, je pense que vous allez en faire des... Oh punaise, 2 points pour ça. Voilà, Miss, 2 points. Cet été, hein, sur la plage, vous allez repenser à moi, vous allez repenser à ce test de frisbee de Windjammer. Allez, on continue. Il faut impérativement qu'on gagne ce set. Oula, attention. Ah, dommage. Super, 5 points. Il reste 3 secondes. Oh, punaise. Elle m'a fait un miss. Pas de soucis. Le match est gagné. Première victoire. Allez. On a éliminé la japonaise et on tombe sur l'américain, je crois. L'américain qui est très 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 chiant, très puissant. Comme à son habitude. Ah non, c'est l'Italie, pardon. Je crois que c'était l'américain. Allez. Alors là, difficulté supplémentaire. Voilà, vous avez vu qu'il y a des fixations au milieu du terrain. Une espèce de filet. On va dire que ça... Et qui peut dévier totalement la... Le frisbee. Oh putain, 2 points. Ok, il m'a gagné, il m'a foutu 5 points en... Ah dommage. Dommage. Allez, on va essayer de récupérer ça. Oh putain. Oh là là là. Gros coup là. Super. On a égalisé. Oh putain. Dommage. 3 chacun. On a perdu puisqu'on a perdu. Ah oui, oui, forcément. Allez. On continue. Ah, forcément, c'est un jeu d'arcade, hein, donc. On fait pas tout en une fois. C'est là qu'on rajoute un jeton. Bon, là, forcément, à la maison, pas besoin de jetons. Forcément, avec une manette, ça c'est beaucoup moins bien. Hein, avec des gros joysticks et des gros boutons. Il y a forcément un plus grand plaisir de jeu. Là, c'est pas forcément le cas. D'ailleurs, on se bousille plus facilement les mêmes. J'ai envie de te dire les doigts. Oh là là, on a gagné. Oh, quel dommage, putain, on l'avait récupéré. Putain. Allez, on tente le coup. Putain, voilà. On va te faire récupérer ça. Oh là là. Ah d'accord, super. Allez, on tente le coup. Deuxième set. Il faut que je l'ai. Pas mal. Oh là là. Faut que je gagne aussi. Ah d'accord, ok. Alors là j'ai bien perdu. Ça c'est beau ça. Ça c'est une belle récupération. Oh putain. Le salaud. Bah, je vous dis, hein, c'est un jeu de... Voilà. Je crois que l'Italien, je vais pas le kiffer longtemps lui. Je pense que je vais pas le kiffer longtemps forcément puisque là je suis en train de perdre. Allez. On rajoute du crédit. 20 crédits. Il faut que je me le fasse celui-là. Ah, je partirai pas de ce test sans avoir gagné contre l'Italien. Faut quand même pas déconner. Allez, c'est parti. Putain, il me fout ça dans le dos. Saloperie, voilà.
Allez, hop là, terminé. Ça, c'était beau, ça. Enfin, je vais quand même aller chercher le point. C'est bon. Je me suis pas laissé faire. Oh putain. Merde. Allez, on va pas se laisser faire. Oh punaise, quel dommage. Oh là 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 là. À la dernière seconde, forcément. Gagne le 7. C'est la finale. Allez. Il faut tout de suite claquer la... les points. What? Non, sérieusement là. Ah, des fois ce jeu là est très énervant, hein, je vous le dis tout de suite. Allez hop là, 5 points. Et c'est gagné. Heureusement j'ai tapé le 5 points. Alors, si je me souviens... Faut que je récupère le chien. Voilà, je suis le chien et je dois récupérer... Yes! 187 mètres. Alors, le Coréen, la Corée du Sud, face à l'Espagne. Et pas l'inverse. Allez, on y va, on tente. Round 3. On se croirait à la piscine. Oula, je vais peut-être éviter de me foutre trop près du filet. Voilà. Yes, on a égalisé. Ah non, on n'a pas égalisé. Non, on est même très loin d'avoir égalisé. Saloperie, va. Il va falloir qu'on se calme direct, le gars là. On va vite le calmer. Oh punaise, ça commence mal. Allez, 22 secondes. Tout est possible. Oula. Non. Oulala. Ah punaise. Allez, 10. Bon, on l'a perdu, hein, c'est sûr. 13. Allez, hop là. Et ça continue. Allez. Il faut que je me batte et après il n'y a plus que deux concurrents. Ah, c'est un jeu passionnant mais un jeu pas facile, je vous le dis. Hein. Allez, ça continue. Putain. Ça fait mal. Bon, allez, c'est pas fini. T'étais sûr? Oula, ça commence à faire beaucoup là. Et il va y aller là. Ah oui, il peut y aller pour.
pour moi, ouais. Il m'a foutu 15 points. Ah, je vous dis, c'est un jeu un petit peu énervant, parfois, mais bon. Allez. Le testeur, il va finir, je crois, avec le point dans l'écran. Allez. Je ne m'avoue pas vaincu. Je pense que cette fois-ci, c'est la bonne. Round 3. Ah, on est en plein... Ah, tu comprends que les mecs ils claquent de la monnaie là, parce que tu penses bien qu'ils la veulent leur revanche. Hein. Allez, ça c'est beau. Putain. Oh, ça c'est du combat ça. Yes! On n'a rien lâché. Ah oh, punaise, on a fait un miss. Putain, deux points pour rien. Impérativement qu'on fout un. Oh là là. Ça c'est beau ça. Oh putain, ça c'est pas beau. Reste 6 secondes. Ah, loupé. Allez, c'est le moment final. Non mais attends, c'est quoi ce délire? Oh, oh, oh. Mais non. Voilà, moi j'ai perdu. Hein, donc 15 secondes au foot de 7 points. Soit j'ai un cul monstre. Ah, je vous dis, c'est assez frustrant comme jeu par contre. Allez, ça continue. Et oui. Joue le malin. Allez, c'est parti. Égalité. Erreur fatale. Non, peut-être pas. Je vais lui faire bouffer. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la japonaise. On verra bien, peut-être que la japonaise ça se passera mieux vu qu'elle est plus rapide. Allez, c'est parti. Mais vachement plus rapide, bien sûr. C'est une catastrophe. De 11. Hein. Attends, le mec il m'a foutu 11 points dans la gueule quand même. Get
Allez, pour la 800 000e fois, on va s'attaquer aux Coréens. J'espère qu'on va gagner cette fois-ci. La musique au casque, c'est une horreur. Ça ne s'arrête jamais. Oh putain. Ça commence bien. C'est pas fini. Et si c'est beau ça. Au dernier moment. Allez, premier set de gagner. Il faut que le deuxième soit la même chose. Oh là là. Non. Oh là là, oh là là, tout ça pour un mist, putain. Ça c'est bien ça. Et c'est gagné. Enfin. Lit. Au revoir le coréen. Alors on prend. Allez d'accord. Contre l'allemand. Qui apparemment est un expert. C'est compliqué. Et rigole pas. Round 4. On va essayer d'y aller. Oula, oui, il rigole pas du tout lui. Oh putain, on est mal barré. Puissant mais pas forcément très rapide. Non, oh, 10 points cash. Oh le mec. Oh là là. J'abandonne pas. Alors. Allez, on continue. C'est pas fini. Je m'avoue pas vaincu. Oh là là, vache. Très puissant. C'est une catastrophe. Je crois que ça va être pire que l'italien. D'accord, alors là, mon personnage a eu une crise. D'accord, encore une crise, 12 points, merci, au revoir. D'accord, ok, c'est carrément du catch, hein. Alors, on est carrément en derrière du catch. Calme-toi. Allez, on continue avec Costa. Contre Wessel, pardon. J'en rajoute des pièces. Bon, graphiquement, bien forcément, c'est magnifique. Hein. Et, rien à dire à ce niveau-là. C'est la plus vraiment magnifique 2D. Enfin, impérativement, essayer de faire quelque chose. Ouh là là. Points, super. Eh ben, j'ai eu du bol, j'ai réussi à tenir. Allez, même 7 et ce sera la finale. Ça commence très mal. Oh là là, d'accord, ok. Ça va être très dur. Impossible à récupérer cette fois-ci. D'accord, ok, il me faut du 16 points. Ok, finale, allez. Allez, tout n'est pas perdu. Non, non. Oh là là, putain, un vieux miss, quoi. Je vais quand même pas perdre là-dessus. Putain.
Il y a 5 secondes. Quel dommage. Ah là là. Putain. Bon, laisse tomber. Hein. Il va se calmer tout de suite. On va continuer. Allez, Costa contre Wessel. Let's go. Il est dur, mais il n'est pas imbattable. On a réussi à la battre contre sur un set. Je commence à plus sentir mes doigts. Ce test va finir à l'hôpital. Ça commence très mal. Lui, ça n'a pas de problème, hein. Ça ne le dérange pas du tout. Il y a un gros souci là. D'accord, 13 points dans ma gueule. Allez, ça continue. Ah, il me faudrait un miracle. Un miracle, ça n'existe pas toujours. Ah, l'autre, il est carrément fier. Il est transformé en super guerrier. Là. Bon, allez. Alors j'ai pas égalisé mais moi j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu. Allez, deuxième set, il faut le gagner celui-ci. On a une petite chance de concourir. Oh là là, ça commence très très mal. Bon bah j'ai perdu. Allez, dernière pour moi les amis. Et après ce sera à vous de tester Windjammer, voilà, sur la Neo Geo, hein, la fameuse console d'arcade. Bien sûr, il y a bien d'autres jeux, on en fera d'autres de jeux. Je pense bien sûr au Metal Slug, je pense au Samurai Shadow. Tous ces grands classiques bien sûr de chez SNK. Parce que... Oula. Il est très très puissant. Dommage. Bon bah c'est mort. Allez, dernier set, bien sûr, pour ce test. Il joue avec Pénère. C'est bien joué. Il a égalisé. Il reste 3 secondes. Et forcément, vu qu'il a gagné le premier set. Et ben voilà les amis, c'était le test de Windjammer, hein, voilà, sorti
eh bien, en février 94. J'espère que ce test, en tout cas, vous aura plu pour cette première sur la Neo Geo. On en fera d'autres, hein, ne vous inquiétez pas, voilà, il y en aura beaucoup d'autres de jeux de testés sur la Neo Geo. Et bien écoutez, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et de vous abonner bien sûr à la chaîne du Testeur du Dimanche. Allez, je vous dis à très vite. Tchuss !